voir, tout revoir, tout savoir sur la 7e journée de Super League. C'est l'heure du temps additionnel. On a 26 minutes pour vous montrer tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On passe ces 26 minutes avec Thibert Pont et Johan Lonfa. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont confiants et ils sont en pleine forme. On va d'abord vous demander, messieurs, ce que vous retenez de positif et de négatif sur ce dimanche après-midi. Je vous propose de commencer par vous, Thibert. Ce que vous avez gardé de positif, votre coup de cœur aujourd'hui? Ah, mon coup de cœur, je peux pas passer à côté de Servette. Servette qui a montré beaucoup de solidarité. Parfois, dans l'adversité, ils ont su aller chercher un succès hyper important. Et puis, on ne les attendait pas à cette place. Donc, c'est vraiment chapeau au Servette FC. Et bah, dans le négatif, il ne faut pas non plus passer à côté de la blessure malheureuse de Schubert. Donc, on lui envoie nos pensées et puis un bon rétablissement. Pardon. Absolument. De la part de toute la rédaction de Blue Sport, évidemment aussi. Johan, à vous. Non, je vais rester sur Saint-Gall. Je suis content que Saint-Gall ait battu l'ogre bernois parce que, voilà, c'est sans doute les favoris du championnat. Et puis on attendait beaucoup d'un Saint-Gall à domicile. Ils ont répondu présent. Effectivement, le gros point noir, on a tous vécu hein, des gros coups durs, une grave blessure pour Schubert. On lui souhaite un bon rétablissement. Bien, alors on va commencer ce temps additionnel en revenant sur le match entre Servette et Lucerne. Ça se passait à la Swiss Sport Arena. On a souvent vu Servette faire des points, mais sans convaincre au niveau du jeu. Jusqu'à samedi dernier contre Guetze, là on a compris, on a vu, Servette sait aussi gagner en jouant bien. Alors Servette voulait forcément remettre ça et eh bien poursuivre sur leur lancée, les Servettiens. C'est Alain Rohrbach qui a suivi cette rencontre pour nous cet après-midi. C'est vrai, Servette voulait confirmer, mais Lucerne à domicile, c'est du costaud. Invaincu depuis 8 matchs, les Lucernois ont du reste pris le meilleur départ, se procurant rapidement deux occasions de but. À la deuxième, tout d'abord, Ardon Yachari hérite chanceusement du ballon, mais n'en profite pas. Yachari, on le retrouve au quart d'heure. Le jeune Lucernois arme une frappe somptueuse, tout en équilibre, mais la chance accompagne Jérémy Frick qui était clairement battu. Servette, tel un moteur diesel, a mis du temps à monter en régime. Ronny Rondelin s'infiltre sur l'aile gauche, trouve Pluquet en retrait. L'Allemand s'efface au profit de Timothée Cognat qui ouvre la marque peu avant la demi-heure de jeu. Timothée Cognat qui a inscrit par la même occasion son premier but de la saison. Juste avant le retour au vestiaire, Aboubakar offre une balle d'égalisation à Kadak. Le Slovaque se demande encore comment il a pu manquer pareille offrande. À la pause, le buteur servettien indique le chemin à suivre en deuxième mi-temps. On va essayer de prendre ce ballon en main et essayer d'aller marquer ce deuxième but qui nous mettrait un peu plus à l'abri. Message reçu 5 sur 5 par Ronny Rondelin qui voit son envoi de la 56e minute renvoyé par un Marius Müller attentif. Les nouvelles recrues servettiennes entrent en jeu à 20 minutes du terme. Derek Kuteza et Enzo Crivelli vont unir leurs efforts pour aller inscrire ce 2-0 tant attendu. Le premier essai sera manqué. Crivelli à la passe, Kuteza à la conclusion. On inverse les rôles avec succès dans le temps additionnel. Enzo Crivelli qui inscrit là sa première réussite servettienne pour sa première apparition sous le maillot grenat. On ne peut pas rêver meilleur début, donc c'est parfait pour moi. C'était important de venir confirmer le début de championnat qui a été bon de la part de l'équipe aujourd'hui avec une victoire. C'est ce qu'on a fait, donc c'est bien pour la suite. Fin de série à domicile pour Lucerne qui s'est heurté à un véritable mur grenat. 13 tirs bloqués par les Genevois dans cette rencontre, c'est un record. Oui, clairement, on parle souvent de ces derniers temps de solidarité. C'est ce qui nous résume et nous anime depuis le début de saison. On l'a encore vu aujourd'hui. Lucerne, on sait que c'est une équipe avec beaucoup de qualité. Donc on a su souffrir et puis on savait que devant, on avait la qualité pour aller marquer. Et je pense que ce n'est pas que la défense, c'est l'animation collective qui fait qu'on ne prend pas beaucoup de buts et il faut continuer sur cette route-là. Ouais, super match de la part de Johan Severin. Vous disiez, il vous a beaucoup plu. On va juste préciser encore que Lucerne a encore une fois terminé le match avec un homme en moins, expulsion de Simani. Ça fait quand même 4 cartons rouges en l'espace de 2 rencontres. Alors on va reprendre déjà ce but magnifique, ce tir de la part de Timothée Cognat. C'est un magicien, Timothée Cognat.
Oui, c'est un magicien. Alors, j'aime bien la conception aussi. Hein. Le centre, Timothée Cognat, qui fait appel à Fuquet pour lui dire qu'il est là. Hein. Il nous a donné confirmation tout à l'heure. Et puis, c'est vrai que beaucoup de sang-froid. Hein. Le crochet, il lève la tête et puis il arme. Alors, je ne sais pas si c'est un extérieur du pied ou un pointu, finalement. Mais c'est de toute beauté, hein, cette action qui relève bien le collectif offensif genevois qui est en bonne forme. Et puis aussi, tu auras le coaching gagnant de Geiger avec la passe de Kuteza pour Crivelli qui marque pour la première fois depuis voilà, plus de 50 matchs. Et ça permet à Servette de rattraper IB au classement. Absolument, on le voit, super ballon de Kuteza, très belle inspiration. Et Crivelli qui termine très proprement en face à face avec le gardien. Et oui, Servette, incroyable, incroyable début de saison, parce que vraiment, par rapport également au mercato, les interrogations qu'il y avait autour du club, c'était aussi un nouveau départ avec le président qui revient à son poste. Enfin bref, beaucoup de changements quand même, malgré tout, dans l'édifice Grenat, et un début de championnat absolument superbe. Bien, et ben, pourvu que ça dure pour les Grenats, je vous propose de passer à la deuxième rencontre de l'après-midi. C'était le choc de la 7e journée de Super League, le choc du Kibun Park entre Saint-Gall et IB. On est à une moyenne de 4 buts et demi sur les rencontres de la saison dernière entre ces deux équipes. Et cette moyenne, elle est encore plus importante quand ça se passe au Kibun Park. Donc, on s'attendait à des buts. Ça va malheureusement commencer par un coup de froid sur le Kibun Park. Et là, âme sensible, s'abstenir, hein, fermer les yeux, parce que c'est la blessure grave de Schubert. Ça se passe voilà, un peu avant la 20e minute. C'est sur une action, hein, c'est sur un but de Saint-Gall que ça se passe. Il y a hors-jeu au départ. Et ça, c'est des images qu'on n'aime pas voir, surtout quand on est joueur de foot ou qu'on a été joueur de foot. Voilà, une grave blessure pour Schubert, des mois difficiles pour lui aussi derrière. Il suffira bien sûr pour lui d'être bien épaulé. Alors le tacle, il est bien sûr à réprimander, il est beaucoup trop appuyé, il est en retard. Et puis voilà, malheureusement, il prend le pied d'appui hein, qui est enfoncé dans le sol de Schubert, ce qui cause cette grave blessure, certainement jambe cassée, tibia cassée, donc... Voilà, 6 mois en principe de repos forcé pour lui. Ouais. Fracture du tibia, c'est pour l'instant ce qu'on nous a dit au Kibun Park. Bah, le carton rouge, évidemment, pour Ulysse Garcia avec Young Boys, qui évolue pour plus de 70 minutes avec un homme en moins. On passe à la deuxième mi-temps avec un but. Il arrive à la 54e minute sur une frappe assez extraordinaire aussi de Guindo, même si elle est déviée. Très belle prise de risque de Guindo. Effectivement, elle a une très légère déviation au départ de la frappe qui lui donne une trajectoire un petit peu sortante, qui fuit Von Balmos et qui se loge en pleine lucarne. Mais un but absolument somptueux. Premier but hein, pour lui avec le FC Saint-Gall. On a vu Cognat, on a vu Guindo, on a vu des beaux buts aujourd'hui. Oui, les frappes lointaines, ce n'est pas si évident qu'on en voit dans le championnat suisse. On en voit beaucoup en Bundesliga. Là, voilà, des joueurs qui tentent leur frappe. C'est vrai que le verrou bernois était bien en place, hein, les deux lignes de 4, et donc c'est par un tir lointain que la solution est venue. 2-1, avec l'égalisation de Tsessiger. C'est un petit peu voilà, sur ce genre de balle qu'on imaginait les Bernois trouver la faille. Absolument, IB a eu très peu d'occasions dans le jeu. Et Tsessiger, superbe élévation, premier poteau. Difficile pour Ziggy de sortir le corner. Très bien tiré par Ugrinic et ça fait un partout. Et puis droit derrière, hein, pratiquement, on joue la 64e minute. Schmid, il vient d'entrer et Saint-Gall reprend l'avantage. Ce but, il est très important dans le timing. Exactement, il survient quelques minutes, quelques secondes même après l'égalisation. Donc il fallait remettre un coup de compresse. Et les Saint-Gallois, ils sont maîtres dans cet art de réagir et de se porter vers l'avant. Là, voilà, il y a un petit cafouillage. C'est vrai qu'il y a un peu de chance hein, pour Schmid, mais enfin, la chance sourit aux audacieux. Il fallait être aussi dans cette portion-là de terrain. Et puis, c'est un 2-1 quand même assez mérité sur l'ensemble de la production de jeu. Ouais, c'était la première fois de la saison que Young Boys concédait 2 buts dans la même rencontre. Je vous propose de passer à la séquence suivante. C'est la séquence, l'occasion de la 70e minute. Là, ça, c'est une frappe hein, qui va arriver de la part de Latellat, qui part vite, qui part fort, mais aussi Von Balmos, qui descend très très vite. Impressionnant Von Balmos. Il ne faut pas oublier que Von Balmos a eu un grand rôle dans ce début de saison d'IB, parce qu'il a fait des arrêts extrêmement importants à des moments cruciaux.
Là, il maintient quand même IB dans le match. Et puis, on ne sait pas, hein, sur un ballon arrêté, sur un cafouillage, IB aurait pu prétendre à aller à une égalisation miraculeuse. Ça ne s'est pas produit pour cette fois-ci. Ouais, effectivement, hein, vous vous méfiez d'ailleurs d'un but dans les derniers instants. Il va y avoir deux joueurs hein, qui seront absents la semaine prochaine parce qu'on a vu l'expulsion d'Ulysse Garcia. Il va y avoir aussi l'expulsion de Tsessiguer. L'expulsion, elle arrive à la 72e minute. Hein, c'est un deuxième carton jaune. Ça, c'est la faute de la première mi-temps dans le temps additionnel. Et puis ensuite, il y aura la deuxième faute. C'est un joueur qui va manquer. Oui, absolument. Il était en bonne forme. Alors là, une charge un petit peu inutile, hein, on est d'accord. Et puis, Par contre, je vous entends volontiers sur le deuxième avertissement. La deuxième... Je crois qu'on est d'accord avec Johan pour dire que c'est un peu sévère. Il joue le duel, mais c'est vrai qu'il ouais, il est certainement plus grand que son adversaire. Exactement. Donc forcément, le coude est plus haut. Ouais. Et puis, c'est un deuxième jaune, on trouve un petit peu sévère. Je trouve que pour le poids d'un deuxième jaune, donc une expulsion, c'est un peu sévère. C'est clair que Tsessiguer, eh ben, il est plus grand, il a un gabarit. Et puis, il a peut-être cette habitude de se protéger un petit peu comme ça. Pour ma part, c'est quand même un poil sévère. Première défaite d'IB cette saison, c'était la seule équipe qui était encore invaincue. Oui, une défaite assez logique. Donc on pensait qu'ils allaient être mis en difficulté au Kibum Park et qui plus est à 10 et à 9 à la fin de match. Donc voilà, Saint-Gall qui a répondu présent. Hein. Ils n'ont pas fait tout juste. Souvent, dans les derniers choix, ils auraient pu creuser le score de manière plus importante. Mais un IB peut-être un petit peu trop timoré aujourd'hui au Kibum Park et puis une défaite assez logique pour eux. Ouais, avec, on le rappellera, un joueur en moins très vite, très tôt dans la rencontre. Je vous propose d'écouter des réactions qui nous arrivent du Kibum Park. On écoute celle de l'auteur du 2-1. Isaac Schmidt, aujourd'hui, c'est une belle victoire face à Young Boys. Vous infligez la première défaite au leader et vous passez leader. C'est une soirée parfaite. Ouais, c'est une soirée parfaite. On savait que c'était un match important pour l'équipe au niveau mental. Parce qu'avec l'équipe, on a des ambitions et c'était le match où il fallait montrer que cette saison-là, on peut faire quelque chose. Et on a montré ce soir, on l'a démontré. Alors, c'est une soirée parfaite au niveau du score. Mais c'était moins parfait avec ce qui s'est passé en début de match, la blessure de Fabian Schubert. À quel point ça vous a affecté, vous et l'équipe, après cette blessure? Moi, je pense que ça nous a tous affectés parce qu'on est comme une famille et je pense que ça nous a tous fait du mal. On s'est tous mis à sa place et c'est très difficile ce qu'il doit vivre. Mais on a su se remonter les bretelles et on s'est dit qu'il faut qu'on gagne ce match pour lui. Il y avait votre équipe à 11 contre 10, à 11 contre 9. Mais Young Boys a toujours été dangereux jusqu'à la dernière seconde. Là, il fallait aussi bien gérer les choses. Oui, exactement, il fallait bien gérer les choses. Souvent, des fois, il y a des équipes qui se relâchent un peu parce qu'il y a un joueur ou deux en moins. Mais on a su gérer le match et on a su gérer jusqu'à la fin. Voilà pour la réaction d'Isaac Schmidt. On se demandait si vous aviez déjà vécu ce genre de choses sur un terrain, un coéquipier qui part comme ça. Très vite. Oui, je pense qu'on avait tous vécu des blessures ou assistées ou nous-mêmes des blessures sérieuses, bien sûr. Moi, j'en ai une en tête, c'est quand Paolo Diogo avait perdu son doigt. Il s'était accroché au grillage. Et à l'époque, il y avait encore. C'était à Chafouz. À l'époque, on avait encore le droit de jouer avec des bagues. Depuis, il n'y a plus de collier, plus de bagues. Et puis, ça marque. C'est des événements qui marquent. Le vestiaire était à plat à la fin du match. C'est très difficile. Mais c'était en fin de match. Alors là, la blessure de Schubert, elle arrive en première mi-temps. Il faut vite, on a vraiment... D'ailleurs, la première mi-temps était absolument, tout à coup, absolument. Ça a mis un coup de froid. Forcément, c'est des événements qui sont très désagréables à vivre sur le terrain. On lui passe le bonjour à Paolo Diogo, on sait qu'il nous regarde. Il est déjà venu nous rendre visite quelques fois. On a entendu un Saint-Gallois, on va écouter un Bernois, toujours au micro de Stéphane Amoruso. Raphaël Vicky, aujourd'hui, première défaite en championnat pour Young Boys, mais on peut dire qu'il y a quand même des circonstances atténuantes, surtout quand on finit à 9. C'est sûr... ça n'arrive pas tous les jours de finir à 9. Je pense qu'on l'a bien fait pendant longtemps à 10. On est revenu. Et après, c'est clair, à 9, à un moment donné, ça commence à être difficile de encore se créer quelque chose. On a essayé jusqu'à la fin de ne pas ouvrir, mais quand même de pousser un petit peu et de voir s'il y a encore une occasion qui va venir. Malheureusement, c'est pas venu. Voilà, c'est un match pas comme on le vit tous les jours. Alors, vous l'avez dit, à 10, vous vous êtes bien débrouillé, vous avez égalisé. Puis il y a ce but, le 2-1 qui arrive 2 minutes après. Comment on explique ça? C'est de la déconcentration? C'est de la malchance? C'est quoi? C'est dur à vous donner une réponse là maintenant avec la solution. C'est,
Je pense que les buts arrivent souvent par des erreurs. Je dois regarder encore une fois. Il y avait à quelque part une petite erreur de nous, soit de placement, soit de gagner un duel. Voilà, c'est clair, quand tu égalises à 10, c'est toujours bien quand tu peux garder ce résultat 5, 6, 7, 10 minutes et stabiliser un petit peu. Je voulais faire des changements après pour amener un peu de fraîcheur. Et dans cette période, il y a le but qui tombe. Voilà. Et on va passer à la troisième rencontre de l'après-midi. Ça se passait au Letzigrund. Ça se passait entre Getze et Winterthur. Winterthur était peut-être l'adversaire idéal pour voir si Getze pouvait aussi montrer un visage un peu plus offensif, un peu moins défensif que ce que Getze propose depuis le début de la saison. La réponse elle est assez claire. Et la réponse est oui, avec d'abord le but de Katsuri, frappe de loin à la 27e minute avec le ballon qui est quand même dévié au passage. Ça lobe Fayoul. De nouveau, une frappe lointaine. On a vu passablement cette journée. Un bloc défensif. Offensif très bas, très compact des rouges, on le voit sur cette image. Bah, il déserte un petit peu les 16 mètres, ça donne le temps à Katsuri d'armer une frappe. C'est vrai, dévié, mais enfin, c'était par là que pouvait arriver aussi la solution. 1-0 à la pause, parce que juste avant le thé, il y a encore une tentative de la part de Winterthur. C'est une frappe de la part de Chetin. Là, quand ça va pas, manque de chance, ça finit sur le poteau. Ouais, la spirale négative continue pour Winterthur. On est un peu surpris de la liberté avec laquelle Di Giusto se déplace dans les 16 mètres pour servir Chetin. Superbe frappe. Et malheureusement pour lui, ça finit sur le poteau. 60e minute, le corner qui va être tiré par Puzic et qui va terminer sur la tête de Ribeiro. Ribeiro, il a déjà tenté plusieurs coups de tête avant dans cette rencontre. Cette fois-ci, ça fait mouche. Mais attention, parce que Fayoulou anticipe peut-être un peu trop. Il boxe le ballon dans ses propres buts. Oui, j'ai l'impression qu'il est un petit peu gêné ou qu'il y a une petite déviation qui le gêne. Et voilà, comme il était sorti, c'est lui-même qui se fait avoir en boxant finalement le ballon dans ses propres filets. Voilà, quand rien ne va, rien ne va. Et puis, quelques secondes plus tard, Getze va aggraver le score avec le 3-0 signé Kawabe. Bon, Tibet, Winterthur, c'est faible derrière, ça tient pas vraiment la route au milieu, c'est pas très très bon non plus devant. Ça va être une longue saison. Ça va être compliqué, bien sûr. Mais Zurich, pour l'instant, est dernier, faut pas l'oublier. Donc, on sait jamais, Il suffit des fois d'une victoire pour enclencher quelque chose de positif, mais là, effectivement, c'est des instants très difficiles que vit le FC Winterthur, qui doit aussi bien se rendre compte que la Super League, c'est pas du tout la même chose que la Challenge League, mais il faut qu'ils misent aussi sur leur match à la maison, dans la bombonera de la chute Sennwiese, et puis espérer commencer une série positive. Allez, petit récap des résultats de cette 7e journée. Sion et Lugano ont tous deux gagné 2-1 en inscrivant le but de la victoire entre la 89e et la 90e minute, ça c'était hier. Cet après-midi, Servette est allé gagner à Lucerne. Saint-Gall a battu l'ancien leader, maintenant Young Boys. Et puis Getze s'est imposé 3-0 contre Winterthur. Regardez au classement, Saint-Gall est le nouveau leader de la Super League. Et Servette rejoint IB. On a deux équipes à égalité. Sion fait une bonne opération aussi grâce à sa victoire d'hier. Sion est 5e. Et puis derrière, les surprises, on peut le dire, Bâle et Zurich qui sont toujours tout en bas au classement. C'est Winterthur qui est la nouvelle lanterne rouge de ce classement. J'aimerais bien vous entendre, chacun à votre tour, sur Sion et sur Servette. Alors on va inverser pour une fois. Je vous demande, voilà, Johan, Servette, c'est une jolie surprise. Combien de temps ça va durer ? Mais tant que les résultats seront là, avec les apports offensifs qui viennent d'arriver, je suis assez positif pour Servette. Il y a une belle dynamique, il y a des joueurs de qualité. Voilà, ils vont naître à l'ambition. Et puis quand on voit aussi que certaines équipes ne sont pas franchement à la hauteur, Bâle, Zurich par exemple, je pense qu'il y a un bon coup à jouer pour Servette. Sion aussi fait un très bon début de saison. À part Lucerne la semaine dernière, on pourrait dire que Sion fait un très très bon début de saison. Si on répond présent, ça faisait longtemps que Sion n'était plus à ce niveau. Je pense que c'est un petit peu aussi le point d'interrogation Balotelli. On va voir qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe en termes de goal, d'efficacité, parce qu'on sait que le pressing, il ne va pas leur apporter grand-chose. Non, mais blague à part, c'est quand même une super recrue. Un gros coup de projecteur sur la Super League. Et puis Moubanje qui est aussi un très bon transfert. J'aurais préféré qu'il revienne à Genève et à Sion. Et puis une équipe qui tient largement la route. Donc ça va être très très intéressant de suivre et Servette et Sion cette saison. Ouais, et on se réjouit. Ce sera sur Blue Sport. On jouait aussi en Challenge League. Il restait une rencontre pour compléter le tableau des résultats. C'était au Rhein Park que ça se passait. Score final 1 partout entre Vaduz et Schaffhouse. Concernant les autres résultats, vous le voyez, Xamax a encore perdu comme les trois premiers du classement. Regardez le classement, ce que ça donne. On a désormais 4 équipes à 13 points tout en haut.
0. Et ce qui est génial, c'est que dimanche prochain, on a un Ville-Bellinzon et un Lausanne-Yverdon. Ça nous permettra peut-être de voir deux équipes se détacher ou pas. En tout cas, ce qui est sympa, c'est que cette Challenge League, elle est encore très serrée, très sympathique à suivre. Seule ombre au tableau, Xamax, toujours dernier. Pas de choc psychologique malgré l'arrivée de Jeff Seibel. Non, malheureusement. Après, on espère quand même qu'ils pourront enclencher quelque chose. Mais c'est vrai que pour les autres équipes, c'est très intéressant. Elle était déjà très intéressante l'année passée, cette Challenge League, très serrée. Cette année, avec deux billets, voire même trois, pour monter à l'échelon supérieur, ça va être très intéressant de voir ces matchs entre ces équipes de tête. Le dimanche à 19h30, vous avez rendez-vous avec Match après Match. Nicolas Manècre, vous êtes là pour nous révéler le programme de notre talk 100% foot. Ah, vous le savez certainement, le mercato a pris fin cette semaine au niveau suisse, au niveau international aussi. On en parlera, on débattra des conséquences pour les clubs helvétiques et pour les internationaux de Mourad Yakin en vue de la Coupe du Monde qui arrive très très vite. Et nous parlerons aussi du FC Lugano car nous aurons sur notre plateau Michael Facchinetti, le joueur du club tessinois. Il sera accompagné pour compléter le casting d'Alain Rohrbach et Steve Guillot. Rendez-vous dans une grosse demi-heure, 19h30 le coup d'envoi. Merci beaucoup Nicolas. Je vous parle encore d'une dernière petite chose, messieurs. Vous participez au jeu de pronostics sur la Super League. Évidemment. Eh bien, sachez qu'à partir de mardi, on entre dans la cour des grands. C'est le retour de la Champions League et vous avez aussi la possibilité de participer à notre jeu de pronostics. Vous allez sur le code QR ou vous suivez l'adresse qu'on vous propose. Vous faites tous les pronostics que vous voulez sur les deux premières journées. Il y a des prix incroyable à gagner cette semaine. On vous propose par exemple le maillot de Marco Verratti signé par le joueur italien, le maillot du PSG pour être plus précis. Et j'en profite pour vous poser une petite question ou deux pour leur donner peut-être un petit coup de main à nos téléspectateurs. PSG, Juventus, qu'est-ce que vous leur conseillez? PSG qui va fort quand même en début de championnat. On sait la difficulté d'aller plus loin dans cette coupe pour le PSG, mais c'est peut-être l'année ou jamais. Napoli-Liverpool. Alors faites l'inverse de ce que je vais dire, hein, téléspectateurs, parce que je suis nul, je vais dire Napoli. Napoli, victoire de Napoli, donnez un petit score. 2-0. Et puis Inter-Bayern. Inter. Ouais. L'Inter s'impose. Faites tout l'inverse. Voilà, faites tout l'inverse de ce que vient de vous proposer Thibert Pont. En tout cas, merci messieurs, c'était un plaisir de passer cet après-midi à votre compagnie. Merci aussi à Laurent Morel et à son équipe technique. Merci à vous pour votre fidélité. Merci de passer toutes ces heures en notre compagnie. On se retrouve très très vite sur Blue Sport. N'oubliez pas, match après match à 19h30. Ciao. Let's get wild, let's get crazy, let's get loud, yeah.